se construire et se perfectionner différents types d'armes de jeu. Certaines animées par attraction humaine, d'autres par la force de contrepoids. Les plus légères, conçues pour la défense, sont construites sur place. Les plus puissantes, véritables engins d'attaque, sont fabriquées dans les ateliers et assemblées sur le champ de bataille. L'origine des armes de jet demeure mystérieuse. Leur construction exige une parfaite connaissance mécanique et technique. Les secrets de fabrication se transmettent oralement entre ingénieurs. Parmi les documents retrouvés dans l'histoire de la fabrication du trébuchet, les plans de l'ingénieur de l'arbre en cours sont datés de 13 siècles. Les compagnons exécutent les plans. Les charpentiers coupent, taillent et assemblent les jets de bois selon des méthodes très précises. Diverses pièces métalliques mises en forme par les forgerons renforcent la résistance du bois. La puissance des armes de jet nécessite une parfaite maîtrise de ces techniques. Ces engins fonctionnent selon le principe de la fronde. C'est la force du contrepoids chargé de pierres qui anime la fronde en bout de bras. La mise en œuvre d'un tel engin exige un temps de chargement assez long. La cadence de tir ne peut excéder de tir. Les savants peuvent régler la distance de tir en modifiant la base du contrepoids ou du boulet, expédié à 200 mètres. Des impacts sur un arme mûr parvient à ouvrir une brèche dans laquelle les assaillants peuvent ensuite s'en offrir.
casser le trébuchet.